j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment garder ses boucles pendant la nuit. En premier, j'utilise un chouchou ou vous pouvez aussi utiliser un élastique comme ceci. Et je vais venir faire l'ananas. Vous balancez vos cheveux devant, vous venez prendre l'arrière des cheveux comme ceci. Et vous attachez, hop, vous faites qu'un tour, d'accord? Vous ne devez pas serrer vos cheveux, et voilà, ça c'est l'ananas. Ne peignez pas vos cheveux, faites un seul tour, pour pas que ce soit trop serré, pour pas que le cheveu garde la forme, et là, vous pouvez dormir comme ça. Le lendemain matin, vous enlevez l'élastique, et vous retrouvez une belle touffe de cheveux, voilà. La deuxième tactique, c'est de mettre un foulard. Mais pas n'importe quel foulard. Donc vous allez prendre un foulard en satin ou en soie. C'est pas obligatoire que ce soit du vrai satin ou du vrai soie, voilà. Donc vous allez venir prendre le foulard et vous allez le plier en triangle. Voilà. Donc, comme ceci. Et vous allez faire la même chose, donc vous allez mettre vos cheveux en avant. Voilà, et vous allez venir attacher comme ceci, bien serré, le foulard et attacher derrière. Voilà, donc ça permet en fait de protéger tout l'arrière pour pas que lorsque vous dormez et tout, ben vous ayez des frisottis ou des nœuds au niveau de la tête, et ça permet de garder vos boucles comme ceci. Maintenant, si vous voulez les faire rentrer, vous pouvez aussi faire comme ceci, hop. Bon, ça ressemble pas à grand chose, d'accord? Mais le but en fait, c'est de faire rentrer ça comme ceci. Faire rentrer tout le cheveu. Bon, je pense que j'ai un peu trop de cheveux en ce moment. Mais voilà, le but de ce... Non, moi je préfère le laisser comme ça et dormir comme ça. Voilà, j'aime bien que mes boucles puissent respirer. J'aime bien. Voilà. Et le troisième tips, c'est s'acheter un thé d'oreiller en satin, voilà, qui permet de ne pas faire de nœuds, ne pas faire de frisottis dans les cheveux. C'est bien plus confortable et c'est bien plus agréable. Vous pouvez aussi utiliser un bonnet en satin. Bon, c'est pas très glamour. Moi, je ne l'ai pas, voilà. Je vais pas en acheter parce que mon ananas et mon thé d'oreiller en satin ainsi que mon turban en satin me conviennent. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like pour m'encourager, à venir me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. Bonne nuit !